Le Chrysler Building m'a toujours fasciné. C'est une merveille d'art déco. J'ai vraiment voulu faire cette photo, mettre un personnage sur l'aigle carrément. Et ça a été une sacrée aventure. On a bourré la gueule des gardes pendant 3 jours. Et nos très jolis mannequins, c'était 2, parce qu'il y avait une doublure. Les ont charmés tout, on était copains. Puis au bout d'un moment, ils étaient croulés dans un coin. Et hop, boum, on était prêts. Et elle avait un harnais. Et elle était d'accord pour qu'on enlève le harnais. Une seconde, elle a viré le harnais. Et moi, j'ai risqué ma vie, par contre. Pas elle, parce que c'était pas vraiment dangereux. Très impressionnant de parler. Mais moi, oui. Parce que j'arrivais pas à avoir le bon angle avec la perspective de l'autre immeuble. L'immeuble en face, l'immeuble brique. Et pour avoir cette perspective et cette plongée, je n'arrivais pas. J'étais par la fenêtre du coin. Et j'ai demandé aux assistants à trouver 2 planches. J'ai demandé aux assistants. On a joint les 2 planches. Je me suis couché dessus. Ils m'ont enfourné comme un four à pizza dehors. Et c'est eux qui faisaient contrepoids. Et moi, j'étais complètement dehors allongé. Et j'ai dit, on ne pète pas, on ne respire pas. 1, 2, 3. Et la photo était faite. Boum. C'était hard. Après, j'ai eu des sueurs froides. On risque sa vie pour la beauté. Mes images paraissent extrêmement sophistiquées et très cadrées et quelquefois impossibles. Et elles sont complètement réelles. Il n'y a aucun montage. Donc c'est un point de vue poétique sur la vie, sur des choses qui existent. Si vous décadrez un tout petit peu, vous voyez le métro ou des vaches noires et blancs, vous n'allez pas où on est. L'idée, c'est que dans la vie, si on sait observer, la beauté est partout. Il suffit de la regarder, de la voir et d'être capable de la voir.